pas comment je vais faire, sérieux. Moi j'ai acheté qu'un jeu PS3. J'espère que sur ma chaîne ils seront pas trop déçus. Un seul jeu PS3 à présenter, c'est pas très extraordinaire quoi. Mon cœur, Ah, ça ne va pas? oh bah écoute, ici j'ai acheté qu'un jeu PS3. Je me suis acheté un petit Splinter Cell Blacklist. Mais bon, je voulais faire une petite vidéo présentation, mais avec un seul jeu, ça va pas être top, hein. Bah tiens, regarde ce que j'ai trouvé pour toi. Oh, c'est vrai? Wow! C'est pas vrai! Bah si. L'édition 5ème Liberté? Wow! Je sais pas comment t'as fait pour trouver ça, mais en tout cas, grâce à toi, je pourrais faire ma première vidéo unboxing! Bah, de rien, ça me fait plaisir mon cœur. De rien, ça fait plaisir. Waouh, sérieux, j'y crois pas, incroyable. Alors là, je vais avoir des trucs à mettre sur ma chaîne. Hein? C'est même pas l'édition Ultimatum! J'ai dit, je t'aime, mon petit géranium! Alors, bon, voilà, on se retrouve après cette petite parodie, cette petite interlude pour donc le déballage de. Que je me trompe pas dans le nom, parce qu'il y en a plusieurs. L'édition 5ème Liberté. Je suis très heureux d'avoir acheté la édition 5ème Liberté. Et ne croyez pas que j'ai. C'était vraiment du spectacle. Hein, bon, ben voilà, maintenant on se met d'accord là-dessus. Voilà. Bon, je vous explique. Ce coffret-là, ce petit collector, il était à 60 euros quand je l'ai vu au Dreamland. À 60 euros. Et moi, je me suis acheté. Je me suis acheté. Voilà. Le Splinter Cell, il y a quelques mois, peut-être un mois et demi, je l'ai acheté 10 euros en particulier. Donc voilà, et je me suis dit, le coffret collector au Dreamland, il ne descendra jamais. Il était à, je crois qu'il est monté à 80 ou 100 euros, il est descendu à 60, et je me suis dit, pour les soldes, ils ne feront pas moins cher. Et là, j'arrive au Dreamland, et qu'est-ce que je vois? Le coffret collector à 29 euros complet avec la statue. Bon, j'ai pas pu résister, je l'ai pris. Là, je vous l'ai mis, je vous fais voir un petit peu. Et là, le déballage commence. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oups là, ça passe par de l'été. Voilà, on peut voir. Hop, la petite protection. Je l'ouvre en même temps que vous, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a. Je l'ouvre en même temps que vous, je sais pas qu'est-ce qu'il y a dedans. Hein. Je vais parler assez fort. Donc je vous la montre. Hop. Là, ouais. Sam Fisher. Est-ce que je vais l'avoir du premier coup? Oh, la galère. Normalement, il y a le jeu que j'ai déjà. Mais bon. Et le petit insigne ne peut être vendu séparément. Donc c'est vraiment la preuve que c'est celui du coffret, quoi. Donc voilà. Le petit. Que je ne me trompe pas. Le petit comic book qui est quand même assez grand. Je vais essayer de vous le montrer du mieux que je peux. Je vais peut-être bouger pour vous le montrer. Tu peux prendre la caméra? Comme ça, on peut venir voir. Je vous le montre en détail. Je vais le mettre tout de suite. Côté de mon bras. Il est pas mal, hein. Franchement, il est bien fait. Hein. En tout cas, franchement, il est bien quoi. Il est assez conséquent. Le speedbook.
Facebook, si j'arrive à l'avoir, il est bien mis, bien tenu. Donc on a ici le steelbook qui est plutôt pas mal, hein, franchement. Ça, là, je trouve qu'il est beau, franchement, ouais. Le pur style, quoi. Style Splinter Cell. Avec, on voit son masque, bien sûr, la Terre, la planète. Ici à l'intérieur, et alors le petit côté. Voilà. Alors, bien sûr, le plus important, j'ai l'impression, la statue, la petite figurine. Je rappelle que c'est mon premier unboxing. Donc voilà, ici, qui est attaché. On va un petit peu voir qu'est-ce qu'elle donne. Sans l'abîmer, ce je suis un maniaque, ça fait que oh. Et plutôt bien, hein. Franchement, le petit couteau, le petit pistolet, je vais voir un petit peu, on voit bien les détails, le petit socle qui est plutôt pas mal. Ah, franchement, elle donne bien. Pour moi. Franchement, elle donne plutôt pas mal. Hein. Vous pouvez voir l'arme. Le petit couteau. Et voilà quoi. Donc, en gros, on a la figurine. Le steelbook. Ça va bien ? Le steelbook. Et alors ? Le comic book, je pense que c'est à peu près tout, bien sûr, le jeu, naturellement, et moi mon jeu en double, voilà, qu'est-ce qu'on a dans le coffre. Voilà, bon voilà, j'espère que cette petite vidéo unboxing vous aura plu. Et salut à tous, à la prochaine sur ma chaîne, pour une prochaine vidéo, et bon jeu à tous!